Good morning, allez, Iden et Tusra, aujourd'hui, Leilo Inish Matrish Aaron Ben Fortune Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortune Mazal, Dani Myriam Bat Élisée Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, dites donc, je suis une Michel, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions ma Sechet Yoma, Perik Hemishna Gimel Natal et Adam, Mimi Shaya Memares Bo, Nichnas le Makom Shi Nichnas, Behamad Be Makom Shi Amad. ויזה ממנועה אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון אלא הזאת לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. וכך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע, יצא והניחו על כאן הזהב שבהיכל. קונטיניו אברסי דן לעבודת יום כיפור, ובאפר אנטרי ברף רפל דפוי למומן. Où le Kohen s'est trempé dans le Mikvé pour mettre les habits blancs, donc commencer la voda propre à Yom Kippour. Il est d'abord, une fois qu'il s'est ce qui est sorti du Mikvé, il est parti faire le vidouille sur le par, une première fois. Il est parti tirer au sort les deux Seirim. Il a fait une deuxième fois le vidouille sur le par, sur le taureau. Il a fait la Shrita, il a réceptionné le sang, il l'a donné à quelqu'un qui le secouait. Entre temps, on lui a sorti. Il est monté lui-même chercher des braises sur le Mizbéach avec une pelle. Il les a posés par terre, on lui a sorti le kaf et une deuxième pelle où il devait ramasser Melochofnav, une bonne poignée double de Ktoret, la mettre sur le kaf et il est entré avec dans le Kodesh à Kodashim. La fameuse histoire, comment est-ce qu'il est entré, il est passé entre les deux rideaux et il a posé la pelle, il a posé plutôt les cendres, les braises, il avait les deux pelles dans les mains, il a posé les braises, il a réceptionné les cendres dans les mains pour ensuite les éparpiller. Le Kodesh HaKodashim s'est rempli de fumée. Il ressort maintenant du Kodesh HaKodashim. Je vous annonce tout de suite la couleur, comme ça ira plus vite. Il va maintenant prendre le sang du par, du taureau qui a déjà fait la shrita, donc avec le Kohen qui est en train de le secouer pour ne pas qu'il coagule. Il va le prendre, il va l'asperger d'une certaine manière dans le Kodesh HaKodashim. Prochaine Mishnah, on va voir qu'après on y va prendre le Sa'ir, qui était sorti l'Hachem, il avait tiré au sort les deux Seirim, un qui allait partir au Azazel, qu'on allait jeter de la falaise, et l'autre qu'on allait faire, on allait offrir son sang définitif, donc maintenant il va prendre le Saïr, qui va être l'Hachem, il va aller faire la Shrita, il va de nouveau asperger dans le Kodesh HaKodeshim. Une fois qu'il a fini, il va continuer encore deux étapes d'aspersion. Il va reprendre maintenant le sang du taureau, il va asperger cette fois-ci sur la porte, sur le rideau qui sépare le Echal du Kodesh HaKodeshim, il va refaire la même chose avec le sang du Saïr. Et puis après, il va mélanger les deux sangs pour les asperger sur le Mizbéach Azav. D'accord? Et après, il va ressortir du Kodesh HaKodeshim. Maintenant, donc, on est dans la Mishnah Gimel avec. Il a, pour le moment, il a fini l'encens. Il a déposé l'encens. Le Kodesh HaKodeshim s'est rempli de fumée. Il a prononcé une petite prière aussi, on l'avait déjà vu. Et puis à présent, donc, il ressort et. Natal et Adam Mimi Shaya Memaresbo. Il prenait le sang de celui qui était en train de le remuer. Et puis, Nichnas le Makom Shin Nichnas. Il entrait à l'endroit où il était entré. Ve Amad be Makom Shin Amad. Il allait se tenir là où il s'était déjà tenu. Il repartait exactement à la même place, cette fois-ci plus avec l'encens dans les mains, mais plutôt avec le Mizrak, avec le sang du par dedans. Ve Izam Yemenuachat le Mala ve Sheva le Mata. Il aspergeait son sang, une en haut. Et 7 en bas. En haut de qui? En bas de qui? On va voir tout de suite. Mais la Mishnah me dit, mais attention, c'est pas vrai. En réalité, c'est pas qu'il se mettait à viser, à atteindre le haut et à atteindre le bas. Mais juste, Ella Kematzlif, juste comme celui qui était le Matzlif, qui était celui qui est le bourreau du Beddin. Bon, vous comprenez rien, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a, en fait, deux psukim, on déduit, dans. L'Agma fait toutes ses drachotes. Il a dit qu'il fallait apparemment asperger une. Il y a le. Imaginez, vous avez le Aaron abrite. Le Aaron devant vous, avec les deux chérubins, le Aaron fermé, il a le couvercle et il a le côté. On déduit qu'il faut asperger au-dessus et asperger sur le côté. On déduit de Psukim que c'est une en haut et sept en bas, mais en réalité, on déduit aussi que c'est même pas la peine de toucher la caporette. Il ne le visait pas, il ne touchait pas. Le Aaron, il restait tel quel. Lui, juste, il aspergeait le sang devant le Aaron. Mais comme si une, c'était en direction du toit, et les sept en direction du côté. La différence, elle est comment est-ce qu'on positionne la main.
Et ce qu'on le fait, comment dire, à la cuillère, une en haut et sept en bas. D'accord? C'est ce que la Mishnah me dit en fait. Et Veizamenu, il aspergeait une en haut, donc avec le dos du dos vers le bas, la paume vers le haut, et comme ça on asperge, il prend le sang, il fait, il envoie une première goutte, et sept en bas. D'accord? Et la Mishnah me précise. Mais c'est pas Veloimit qui avait l'azote, c'est pas qu'il avait l'intention, qu'il visait. Avec l'aspersion, il visait en fait le Aaron, pas du tout. L'olemala velolemata, ni chercher à toucher le toit du Aaron, ni le côté, ni la façade du côté du Aaron. Et la kematzlif, juste comme quelqu'un, comme le bourreau du Bedin. C'est quoi le bourreau du Bedin? Alors c'est un peu, c'est pas assez clair comment s'expliquer. Sefer d'Israël explique ça, c'est celui qui explique le mieux. C'est qu'en fait, lorsqu'il frappe, il prend d'abord le fouet, il lève la main, et après il rabaisse. Donc en fait, une fois comme ça, et une fois comme ça. Ça c'est le nom de l'outil d'Israël. Du Bartonora, c'est plus un machma que quand il frappe pas au même endroit. Il frappe, il va faire 8 frappes avec intervalle, pour ne pas briser le dos. D'accord? Il va mettre des coups pour corriger, mais pas pour tuer le gars. Donc du coup, il va frapper, mais pas à la même, pas au même niveau exactement. Donc il va faire une ligne comme ça. Et ainsi, il devait compter. Il y a une mitzvah de compter. Pendant qu'il va asperger. Achat, une. Achat ve achat, une et une. Achat ou shtaim, une et deux. Achat ou shalosh, une et trois. Achat ve arba, une et quatre. Achat ve ramesh, une et cinq. Achat ve shesh, une et six. Et ve achat ve sheva, et une et sept. En fait, il fallait qu'il compte. On a dit qu'il a une fois vers le haut et sept fois vers le bas. En théorie, pour le compter, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, jusqu'à 8. Seulement, on a envie de distinguer deux types d'aspiration. Une qui vise le toit une qui vise symboliquement au moins le toit du Aaron, et les 7 qui vont viser la façade. Donc il ne fallait pas compter 8. Il fallait compter 7. 1 et 7. Maintenant, on va me dire Achat, et après commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seulement, on aurait eu un problème. Parce qu'après, là, il va asperger 1 vers le caporet. Après, il va compter 1 vers le bas, et puis. Je vais dire, attends, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire le 1 vers la caporette ou le 1 vers la façade? Et il va plus se retrouver, il va se perdre. Donc du coup, on lui a dit, tu sais quoi, tu comptes 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Comme ça, tu répètes chaque fois le 1 que tu as mis. L'idéal, ça aurait été de compter 8, mais on ne peut pas compter 8 parce qu'il faut bien distinguer les 1 des 7. Donc du coup, tu comptes comme ça avec 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. D'accord? Voilà ce qu'on dit en fait. On va voir cette formule-là dans les prochaines Mishnayot en tout, au total 4 fois. D'accord? 4 fois. Est-ce qu'on va faire comme ce que je vous ai introduit? Une fois avec le sang du par dans le Kodash HaKodashim face au Aaron. Une fois avec le sang du Haïl, du Saïr plutôt, du bouc. Et de nouveau, il y aura Achat Vesheva. D'accord? Après, il va asperger avec le sang du par sur la Parochet, sur le couteau. Il va refaire de nouveau avec le sang sur l'autre, avec la Parochet avec le bouc, donc ça va nous faire 4 fois, on va retrouver la même formule. Si vous voyez la prochaine Mishnah, elle va être très longue, en fait elle va être très simple, parce qu'on aura déjà tout expliqué. Et ensuite, une fois qu'elle a fini maintenant, alors la Mishnah me dit, Yatsa, il ressort maintenant du Kodesh HaKodeshim, V'inicho al Kan Azahav Sheba'echal, et il le déposait sur le Kan, sur le support en or qui était dans le Echal. Il y avait dans le Echal, on avait là-bas prévu un support, où il va pouvoir prendre le Mizrak, et le poser là-bas pour quelques secondes, donc ça ne va pas coaguler. Il va devoir, entre-temps, comme ce que la Mishnah va nous dire, il va vite sortir dehors, il va faire la shrita du Saïr, il va reprendre le sang, repasser à l'intérieur, asperger la même chose, et puis ressortir pour ensuite, comme ce qu'on verra ensuite. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Hatzlacha, Kol Tov, Tzedakah.